Eh bien salut les amis, aujourd'hui comme vous pouvez le constater je suis seul, je me trouve sur les hauteurs de Sainte-Agnès, je me dirige vers le pic de Garuche, car ce soir spécialement j'avais besoin de me ressourcer, j'ai littéralement pété un plomb entre tous les événements qui sont en train de se passer, la crise sanitaire, la crise financière, tous les problèmes qu'il y a autour du Covid. Sans rentrer dans la polémique, puisque bien sûr j'ai ma propre opinion tout en tant que vous, je ne rentrerai pas là-dedans, ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est simplement pour vous dire que j'en ai plein la tronche et j'ai vraiment besoin de m'extérioriser. Cette nuit, je vais tâcher de l'apprécier, je vais être coupé de la technologie, bon, hormis celle que je tiens dans mes mains pour pouvoir vous faire cette vidéo, mais je n'irai pas sur internet, je n'irai pas surfer sur mon mobile, je vais simplement me contenter de ce qu'il y a autour, sur toute cette beauté là qui m'entoure. Tous ces sons magnifiques qu'on peut entendre, vraiment, vraiment la vraie vie quoi. La nature, les animaux, tout ce qu'il y a vraiment de pur autour de ça, cette terre pure. J'ai donc décidé de planter ma tente sur le pic de Garuche et j'ai choisi spécifiquement cet endroit puisque j'avais dit que j'y retournerais. J'en profiterai dans la nuit si je me sens. Il y a un ouvrage juste en dessous, donc l'ouvrage du pic de Garuche. C'est un ouvrage qu'on avait déjà exploré, il y a une petite vidéo, si vous voulez voir, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Cet ouvrage, je ne l'avais pas fait complètement, puisqu'il y a une pièce que je n'ai pas pu faire, vu que je suis resté coincé dans des conduits. Donc on va retenter l'expérience, et en espérant que j'y passe, si j'y passe, je vais pouvoir filmer cette pièce. Voilà, ça va me faire le petit événement de la soirée. Alors si vous voyez, je vais essayer de zoomer. Excusez-moi pour la qualité du zoom, hein, elle n'est pas terrible. Focus, met du temps à marcher, voilà, donc si vous voyez là au bout de mon doigt, vraiment au bout de mon ongle, c'est l'ouvrage du pic de Garuche, et moi je vais planter la tente juste au-dessus là-haut, ici là. Bon bien les amis, ça y est, c'est la nuit, je sais pas si vous allez voir quelque chose, là je suis à la frontale, plus une petite lampe à main, j'essaie de voir mon chemin. Ah, je vous avoue que c'est... Alors là, je vais me faire caca dessus, mais vraiment. Hein. Je sais pas si vous avez entendu le bruit. Donc ça venait derrière, du coup, ben, je pense que c'est un oiseau. Bien les amis, le camp est monté. Je vais commencer à m'équiper. Mon petit tabouret, ma petite table avec ma popote. Donc là, le vent commence à se lever, la température commence à vraiment baisser. Donc, tout à l'heure, j'avais pas d'éclairage, on voyait pas très bien, je vous fais vite le tour du propriétaire. Je suis sur le dessus du bunker. L'entrée se trouve là plus bas, une espèce de bloc là que vous voyez. C'est de frigorifier là. Et là, ce bloc là. Allez là-dessus. Donc c'est un bloc de ventilation. Et bien c'est dans ce bloc que je n'ai pas pu rentrer la fois où je suis resté bloqué dans le conduit. Donc que vous pouvez voir comme j'ai dit tout à l'heure sur la vidéo du bunker du pic de Garuche. Et si je me sens, je vais essayer d'y pénétrer tout à l'heure. Et là, donc c'est le petit plateau là sur lequel je me trouve. Là, on a une ancienne citerne d'eau qui est moitié détruite. Et, je vais essayer de vous montrer en bas. Une petite bestiole là, qui vient de déguerpir. Citerne cassée. Hop. On va essayer de faire attention de ne pas tomber. De nuit et avec le froid, c'est pas évident. Avec le vent en plus. Alors, voilà en bas. Je vais essayer d'éteindre ma lampe.
ville de Menton. Bon, eh bien les amis, le repas était excellent, je suis bien calé. Là on va faire un petit tour dans les parages, essayer de repérer un endroit pour poser la caméra de chasse. Alors, je sais pas ce que c'est cette plante, hein, je m'arrête, ça n'a rien à voir, mais je trouve cette plante magnifique. Alors, si vous savez ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires, franchement ça m'intéresse. Je crois que c'est la première fois que j'ai ce type de plante. Alors, du coup nous on va reprendre. Ça a été creusé par ici. Là l'endroit me plaît bien. Je pense que je vais caler la cam par ici. C'était creusé, vous voyez là. Là c'est un endroit de passage. C'est de faire gaffe de ne pas tomber nez à nez avec un sanglier. J'ai pas envie de me faire défoncer. Ah, ça a été sacrément retourné, la piétiner. Essayer de poser la cam par ici. Bon, bien, les amis, la caméra de chasse est en place. La voici. Donc, je l'ai braqué. Essayer de se mettre dans sa direction. Voilà. Là-dessus, là, sur le terrain ravagé par les sangliers. Alors, on va aller. C'est du bunker. Hop là. Et puis fais m'étaler là. Ah bah, fatalité. Une deuxième plante comme plus haut. Alors, je trouve cette plante vraiment jolie. On est devant le bunker. On va rentrer. Ah mais il y a de la chauve-souris déjà. Oula. Ah ça c'est des oiseaux. Ah bah merde. Ah pardon, excusez-moi. Je me lâche mais c'est la première fois que j'ai des oiseaux dans un bunker. Ils ont dû faire la nid. Alors je suis à l'affût du monde en bruit là parce que. Parce que là je suis seul. Je ne rappelle plus où est la pièce. Je crois que c'est par là. Oui, on y est. Alors, ouais, c'est là que je suis resté coincé. Bon, les amis, on va passer en mode GoPro. Moi, je vais me dévêtir histoire de manger quelques couches d'épaisseur, puisque là, j'ai deux vestes. Je vais essayer de me mettre en t-shirt et je vais me faufiler. Allez, je vous dis tout de suite les amis. Voilà. Allez, on va se mettre les gros poulets sur la tête. Donc, j'ai enlevé ces épaisseurs là, les deux vestes.
J'ai calé là sur cette espèce de pic là, je vous montre. C'est le pic où j'ai failli m'embrocher la fois où je suis venu, je suis resté coincé, donc en descendant. J'ai fait me faire un deuxième orifice. Donc du coup, on va laisser la cam ici. Alors, quoi qu'on va la prendre. Juste prendre le smartphone, on sait jamais. De mettre... je risque pas d'abîmer. Allez. On va se chauffer les amis.